C'est difficile à décrire. Effectivement, il y a énormément de joie, énormément de fierté. Et ouais, et de bons moments aussi passés cette semaine avec Nicolas sur le terrain. Et ça se termine de la plus belle des manières avec une coupe. Et en plus, voilà, c'était le grand chelem qui nous manquait voilà, à nos souvenirs et sur nos étagères, on va dire. Et le fait d'avoir réussi à le gagner avec l'enjeu qu'il y avait derrière, le fait d'avoir réussi à se concentrer sur le jeu, à se concentrer sur ce qu'on avait à faire sur le terrain. Et en plus, ramener cette victoire, c'est juste indescriptible et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. En tout cas, moi, je ne m'en rends pas compte aujourd'hui. Je vais peut-être m'en rendre compte dans les prochains jours. Ouais, on plane un petit peu. Autant, je me suis vraiment forcé, moi, personnellement, à pas me projeter sur le fait que c'était le dernier grand chelem qui nous manquait, etc. Pour être vraiment uniquement et exclusivement concentré sur le jeu, sur ce que j'avais à faire, moi, de mon côté, et puis en tant qu'équipe avec Pierrug. Autant là, on peut commencer à savourer, mais il y a évidemment la coupe, le fait d'avoir gagné, mais il y a toutes les émotions, le temps passé ensemble, les 15 jours avec nos staffs. Ce tournoi, il est un peu particulier parce qu'on est vraiment loin de la France, il y a un grand décalage. Donc même si on sait qu'on a du soutien, on se sent un petit peu vraiment à l'écart et on s'est vraiment recentré avec nos staffs. Et ce moment-là, pour moi, il est magique. Ce qu'on a vécu pendant 15 jours, c'est extraordinaire. Et on va essayer de bien savourer, bien fêter ça ce soir pour revenir avec toutes ces émotions à la maison. Oui, il y avait deux personnalités, il y avait Roy Emerson et Rod Laver. Alors Rod Laver, il était un petit peu avec nous sur le terrain à chaque toss, parce que voilà, il y avait une pièce avec Rod Laver ou la banque ANZ. Forcément, vous imaginez qu'à chaque fois qu'il fallait choisir, c'était Rod Laver. Et non, c'est spécial le fait de rien, le fait qu'ils aient regardé le match. Qui nous donne le trophée quand on sait les champions que c'est, quand on sait que Rod Laver, lui, il a réalisé ce qu'on a réalisé en double deux fois en simple dans la même année. Donc c'est voilà, c'est des grands champions et le fait de pouvoir vivre ces moments-là, recevoir un trophée de grands champions comme eux, de légendes du sport, de ce sport, ça rend la chose encore plus belle, oui.